Bon, enfin un week-end de course qui fait vraiment plaisir à 100%. Pourquoi? Bah déjà parce qu'il n'y a pas eu de drama et ça fait vraiment du bien. Je pense que les 2 semaines de pause ont vraiment apaisé pas mal de tensions. Et aussi parce que les courses étaient plutôt folles, notamment au niveau des championnats, puisque dans les 3 catégories, les championnats sont totalement ou quasiment relancés. Et là, ça fait vraiment plaisir qu'au bout de 6-7 courses, les championnats soient remis à zéro. Bonjour à tous et à toutes, c'est Kenfish, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce récap du premier Grand Prix de Misano. Oui, parce qu'il y en aura deux, encore comme Jerez et comme l'Autriche. Et comme toujours, on va faire un récap de cette course, c'est pas tellement un débrief et rentrer dans les détails. Et c'est pour ça que je vous donne rendez-vous dans mon émission 100% MotoGP Parc Fermé ce soir avec Anna Deluxe et Soap. C'est à 20h sur Twitch, je vous attends. Bon, comme je vous l'ai dit au début, dans les 3 catégories, les championnats sont relancés, notamment en Moto3, où là c'est vraiment pas mal relancé même. Le poleman Ayogura réussissait un très bel envol, gardant la tête de la course devant Tatsuki Suzuki et le cobra argentin Gabriel Rodrigo, qui pour une fois faisait un bon départ. Ça fait plaisir parce que ça fait longtemps chez Gabriel Rodrigo. Et comme toujours, il est vraiment difficile de vous dire ce qui se passe en Moto3, puisqu'en fait, il y a tout simplement 2000 dépassements par virage. C'est incroyable, les mecs se dépassent tout le temps. Ils savent pas rester dans leur course, c'est ouf hein. Non, mais c'est à notre plus grand plaisir, bien entendu. Mais oui, il y a eu encore énormément de dépassements, comme d'habitude, beaucoup de poleman différents et un joli groupe de 22 pilotes se forme alors. Et puis bon, quand vous êtes jeune avec des motos si légères et que vous êtes fougueux, vous arrivez à une trentaine dans le premier virage, forcément il y a quelques contacts et il y a des pilotes qui vont en faire les frais de ces contacts. C'est notamment le cas de Sergio Garcia, Raúl Fernández malheureusement et Celestino Vietti qui partiront à la faute dès le premier virage, enfin presque tous, puisque Sergio Garcia restera sur ses roues, mais malheureusement, il écopera d'un long lap suite à ça. Oui, forcément, quand tu crées un accrochage de ce genre, tu peux prendre une pénalité, et c'est un long lap qui est tombé pour Sergio Garcia, forcément, puisqu'il a annulé la course de Celestino Vietti et Raúl Fernández, deux hommes forts du championnat en plus. On perdait alors ensuite Ayumu Sasaki, qui malheureusement rentrera en larmes dans son box Tech 3, et ça fait mal au cœur pour le japonais. Alonso Lopez commettra également une erreur, le deuxième pilote Husqvarna du team Max Biaggi, et on perdra un autre pilote qu'on n'avait pas vraiment envie de perdre. Hein. Bon, déjà, on a envie de perdre aucun pilote, ce qui est normal. Mais là, on perd un pilote qui, quand il est devant, on a toujours envie que ça se passe vraiment bien puisqu'il est toujours incroyable sur ses freinages. Vous avez deviné de qui je veux parler? Darin Binder. Oui, encore. Malheureusement, le petit frère de Brad perdra le contrôle de sa machine lors d'une sortie de virage, tombera et passera à ça de se faire percuter par Denis Foggia qui, fort heureusement, a eu un joli réflexe. Malheureusement, Darin Binder, à ce moment-là, il était deuxième. Course terminée pour le Sud-Africain. Et la chute la plus importante restait à venir dans ce championnat, celle d'Albert Arenas. Alors qu'il était en bagarre dans le premier groupe, un contact avec Tony Arbolino le fera alors chuter. Et c'est une chute vraiment plus lourde que ce qu'on pouvait penser en termes de conséquences pour le championnat, puisque son joker qu'il avait d'une course, eh bien, il l'a totalement annulé là-dessus. Et oui, puisque maintenant, il est seulement à 5 petits points de Ayogura et 9 petits points de John McPhee au championnat. Terminé les vacances pour Albert Arenas, là. Et c'est justement ces deux pilotes-là qui profiteront de cette situation, prenant l'avantage sur Raume Masia et Tatsuki Suzuki pour aller s'échapper et se mettre un peu à l'abri aux 2 premières places. John McPhee viendra donc s'imposer sur cette première course de Misano devant Ayogura et Tatsuki Suzuki. Derrière, c'est Jérémy Alcoba et l'Argentin Gabriel Rodrigo qui compléteront ce top 5. Ça fait plaisir de revoir Gabriel Rodrigo et très belle course aussi de Jérémy Alcoba. Magnifique course en fait pour les deux pilotes Gresini. Rendez-vous donc la semaine prochaine pour tous ces jeunes pilotes puisqu'il y aura une deuxième course à Misano. Le moment pour Albert Arenas de rappeler qui est le maître de cette catégorie. Place à la Moto 2 désormais avec encore une fois une course plutôt calme, même si on a quand même eu un petit peu d'action, on va pas se mentir. Hein. Non, on va pas faire les mauvaises langues. Et là aussi, le championnat est un petit peu relancé, en tout cas pour un des hommes forts, c'est Roré Martin. Malheureusement, l'Espagnol a été testé positif au Covid quelques jours avant la course et ne pourra donc pas prendre le départ à Misano. Bon, on espère qu'il pourra prendre le départ pour Misano 2, il faut qu'il fasse quelques tests, on croise les doigts. Malheureusement pour lui, il devra se contenter donc de regarder la course à la télé et d'autres vont bien profiter de cette situation. Hein. Bien que Sam Loves avait fait un tour absolument incroyable en qualif, lui offrant d'ailleurs la pole position, il devra se contenter de partir de la voie des stands, avec quelques secondes de retard en plus, hein, histoire de... Et oui, puisque souvenez-vous, au dernier Grand Prix, il avait fait tout simplement une partie de pooling avec 2 autres pilotes, ce qui lui vaudra non seulement un drapeau noir en course, mais aussi de partir de la voie des stands à la suivante, c'est-à-dire celle-ci. Alors coup dur pour Sam Loves qui avait un énorme rythme tout le week-end, mais vous allez voir quand même que Sam Loves, il va pas en rester là. Celui qui prendra donc la pole position, vu que Sam Loves n'est plus là, eh bien c'est Luca Marini, le demi-frère de Valentino Rossi. Et un autre qui avait malheureusement un bon rythme tout le week-end et ne pourra pas participer à cette course, c'est Rémi Gardner, victime d'un énorme eyesight le matin au warm-up. Les médecins ont jugé qu'il n'était pas fit pour la course et donc il n'a pas pu y participer. Et là aussi, c'est un coup dur pour l'Australien parce que ça faisait quelques courses qui commençaient vraiment à s'illustrer. À l'extinction des feux, Luca Marini fera donc le meilleur envol devant Enea Bastianini qui malheureusement se fera doubler très rapidement par Marco Bezzecchi et l'Allemand Marcel Schroeter une nouvelle fois en forme. Et malheureusement pour Bastianini, c'est un début de course un petit peu compliqué puisqu'il restera bloqué derrière Marcel Schroeter voyant ses 2 compatriotes s'échapper et il finira par passer mais un petit peu trop tard. Et oui, parce que pendant ce temps-là, Luca Marini et Marco Bezzecchi s'étaient déjà un peu échappé et il y avait un petit fossé entre les deux.
De quoi pas vraiment motiver Enea Bastianini là. Et l'expression ne jamais baisser les bras prendra tout son sens quand Luca Marini fera une erreur de pilotage et laissera tout simplement Marco Bezzecchi revenir sur lui. Et ça c'est une bonne nouvelle puisque Marco Bezzecchi qui avait enfin gagné sa première course en Moto2, il s'est dit qu'il pouvait en regagner une deuxième. Et donc doublera Luca Marini avant que ce dernier le redouble, une jolie passe d'armes entre les deux hommes, mais pendant ce temps-là, Enea Bastianini revenait derrière. Et ça c'est une bonne nouvelle. Bon, tout ce petit jeu ça durera pas longtemps, Luca Marini il en a eu marre de jouer avec ses petits copains et il s'est barré devant en fait. Donc voilà, c'est pour ça que je vous ai dit que la course était calme, mais pas trop, mais en fait elle l'est quand même. Et oui, Luca Marini arrivera à prendre 8 dixièmes sur son coéquipier, venant du coup s'imposer sur cette course devant Marco Bezzecchi et Enea Bastianini. Un triplé italien à Misano, ça fait plaisir. Derrière, c'est Xavi Vieira et Augusto Fernandez qui compléteront ce top 5. Mais où est Sam Loves dans cette histoire? Eh bien, Sam Loves, il est 8ème. Il est remonté à la 8ème place, il est parti de la boîte de Stomp. Voilà, il a fait sa petite course. Donc imaginez s'il était parti en tête. À mon avis, on l'aurait pas revu là, l'anglais. Bon, tiens, avant d'attaquer la MotoGP, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de la Moto 3 et de la Moto 2, puis après de la MotoGP. Et puis lâchez aussi le petit pouce bleu parce que ça régale. Et la course MotoGP était encore une course de record. Après la toute première victoire de Fabio Quartararo en catégorie reine, la première de Brad Binder mais aussi de Miguel Oliveira, eh bien on allait voir un quatrième nouveau pilote s'imposer, nouveau vainqueur de Grand Prix. C'est Franco Morbidelli qui aura fait une course absolument magnifique, menée de bout en bout d'une main de maître. À l'italienne en fait. Et pendant que Morbidelli maîtrisait cette course d'une main de maître comme je le disais, eh bien le championnat il va subir quelques changements tout simplement puisqu'on va changer de leader. Et oui, puisque malheureusement l'ancien leader de ce championnat Fabio Quartararo sera victime d'une chute, et enfin même de deux chutes dans cette course, laissant donc la place à Dovizioso en tête provisoire de ce championnat actuellement. Et oui, puisque Fabio Quartararo il était un peu en alerte, même s'il avait gagné les deux courses de Jerez, depuis il n'avait pas vraiment fait de gros résultats. Malheureusement, on savait qu'une chute allait relancer ce championnat, et bien c'est arrivé ce week-end. Pourtant, Fabio Quartararo avait fait une jolie première ligne en qualification, première ligne qu'il n'aura pas su exploiter au départ, puisqu'il se fera doubler coup sur coup par Morbidelli, Rossi, Miller et Vinales, se retrouvant à la 5ème position. Quelque temps bloqué d'ailleurs derrière Maverick Vinales, il finira un moment par le passer, et il s'est dit qu'il fallait qu'il l'attaque s'il voulait revenir sur le groupe de devant. Sauf qu'il a peut-être attaqué un petit peu trop fort, et il est parti à la faute. Bon, malgré tout, Fabio voulait pas abandonner, se relève, repasse au stand, et repart, et retourne une deuxième fois. Et là par contre il était temps d'abandonner. Devant, les deux Italiens Franco Morbidelli et Valentino Rossi commençaient à creuser un bel écart pour le plus grand bonheur des spectateurs italiens venus exceptionnellement ce week-end sur ce Grand Prix. Par contre pour Maverick Vinales c'est un peu moins la fête là. Bien qu'il avait fait la pole position, Vinales souffrira peut-être un petit peu trop de ce pneu hard avant qu'il avait et rétrogradera au classement jusqu'à la 7ème position. À l'inverse d'Alex Rins et Francesco Bagnaia qui d'ailleurs étaient encore blessés au tibia, qui eux arriveront à remonter petit à petit dans le classement. Quant à Jack Miller qui lui était confortablement installé en 3ème position, il perdra peu à peu le fil sur Franco Morbidelli et Valentino Rossi pendant que derrière ça revenait très fort. Et malheureusement pour l'Australien, Rins et Bagnaia ne feront qu'une bouchée de lui. Et d'ailleurs derrière il y en a un autre qui revenait très fort, c'est le deuxième pilote Suzuki, Joan Mir. Un groupe allait alors se former avec tous ses pilotes mais aussi Valentino Rossi puisqu'il n'avait pas réussi à garder le contact avec Franco Morbidelli. Et les élèves du docteur ne lui feront malheureusement pas de cadeau. Tout d'abord Franco Morbidelli en début de course et puis là Francesco Bagnaia qui a tout simplement avalé la Yamaha avec la puissance de sa Ducati. Valentino Rossi donnera tout donc pour garder cette 3ème place, il jouait quand même son 200ème podium au profit d'Alex Rins et il y arrivera, enfin en tout cas sur Alex Rins, puisque derrière, Joan Mir profitait alors d'une erreur de son coéquipier pour le passer, mais aussi pour passer Valentino Rossi dans l'ultime tour. Franco Morbidelli viendra donc s'imposer pour la première fois de sa carrière en MotoGP sur le Grand Prix de Misano, devant le retour de Francesco Bagnaia 2ème et Joan Mir 3ème qui privera Valentino Rossi d'un podium, mais aussi d'un triplé made in VR46. Mais bon, c'est le jeu, très belle course de Joan Mir. Valentino Rossi et Alex Rins compléteront donc ce top 5, et côté français, c'est pas vraiment la fête, puisque Fabio Quartararo a abandonné, et Johan Zarco se contentera d'une maigre 15ème place. Enfin, une course comme on les aime, sans drama, où on règle ses comptes en piste, et ça c'est le plus important. C'est vraiment dommage pour Fabio Quartararo, mais d'un côté le championnat est totalement relancé, c'est désormais Andrea Dovizioso qui prend la tête de ce dernier, et ça, ça va faire plaisir pour les prochaines courses, en espérant que Fabio se relève plus fort que jamais. Et oui, la semaine prochaine, on est encore une fois sur le même circuit, tout le monde a une revanche à prendre, j'ai hâte de voir ça. En attendant, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas, pensez à la liker, la commenter et la partager, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Merci à vous de me suivre, ça me fait le plus grand bien. Et je vous donne pas rendez-vous à la semaine prochaine, mais je vous donne rendez-vous dans 2 jours, puisque cette semaine, vous aurez 3 vidéos. D'ici là, portez-vous bien, et vive à tous.